Vous vouliez visiter le Nelson Mandela ? Eh bien, nous allons vous aider. Nous allons vous présenter l'établissement et son environnement. Et pour cela, nous serons plusieurs à vous aider. C'est à notre bel établissement est très simple. Vous pouvez y accéder de différentes manières. À pied, c'est à 15 minutes de la gare, ou même en bus, à 10 minutes, avec grâce aux lignes 5, 4 et 26. Tiens, voici le professeur. Bonjour Michel. Que faisiez-vous ? Eh bien, j'arrive du centre Beaulieu où je me suis restauré et où je me suis cultivé puisque j'ai pu y acheter 2 ou 3 livres. Eh oui, effectivement. Nous disposons à disposition du centre Beaulieu. C'est un grand centre commercial qui regroupe divertissement, alimentaire, restauration et même culture. Si vous étiez venu aux portes ouvertes, voilà ce que vous auriez découvert. Ici, nous avons le jardin des 5 Fonds. Voici l'entrée de l'auditorium que nous utilisons de temps en temps. Oh, hola, bienvenido en el Liceo Nelson Mandela. Aquí tienes la cantina y estamos ahora en el corazón del liceo. De este lado tenemos la terraza interior y al fondo tendremos un CDI, es decir, una biblioteca mediateca para todos los liceos. Avec le CERF, vous avez accès à des repas divers et variés. Les produits que nous consommons sont issus de l'agriculture agricole et d'origine locale, comme on le voit sur cette affiche. Les menus proposent des plats végétariens et carnés selon vos goûts. Et une petite terrasse est disponible quand le beau temps est au rendez-vous. Vous trouvez dès l'entrée de la nef certains casiers qui sont mis à disposition dès la rentrée aux élèves. Puis on retrouve une terrasse intérieure. Juste à côté, la maison des lycéens avec une salle de permanence suivie de la vie scolaire. Et juste à côté, on retrouve un accès pour les handicapés, un ascenseur, si besoin. Tout au long du côté gauche, on peut retrouver des tables qui sont mises à disposition pour travailler et permettre aux élèves de discuter ensemble. Et l'établissement permet également de développer notre créativité en mettant en place des tableaux vierges que certains élèves qui ont un talent peuvent dessiner. Et ensuite, ils seront exposés dans les classes de l'établissement. Et nous voici maintenant au CDI. Ce CDI possède des romans, des journaux et de nombreux autres ouvrages à notre disposition. De même, il possède de nombreux ordinateurs et des salles privées pour effectuer nos travaux en groupe, en toute tranquillité. Et pour finir, on peut retrouver notre CDI avec un jardin d'hiver. De même, au centre des tables, des arbres seront plantés tous les étés. De plus, des prises électroniques pour nos appareils connectés sont disponibles.